Alfredo, j'ai voulu que tu viennes dans la première émission de Bain de Minuit, parce que je suis un fanatique du groupe C depuis le début, depuis l'Épée de Bois, depuis Vapeyron. Je crois que Comédie Policière a été un grand moment à Chaillot, quand la, oui. avec le décor qui s'ouvrait, la maison qui s'ouvrait. J'ai vu Luxe au Palace. Mm-hmm. Et puis il y a 10 ans, Peine de cœur d'une chatte anglaise. Alors aujourd'hui, il y a cette pièce de Marivaux qui est tout à fait étonnante, parce que faire jouer des gens qui sont habillés comme ces grotesques, comme les singeries du 18e, qui jouent Marivaux avec l'accent argentin, c'est quand même un pari incroyable, non? Il y a des gens qui vont voir ça. Il y a des gens qui respectent, tu sais qu'il y a quelqu'un qui a écrit au ministre de la Culture en demandant d'interdire notre pièce parce qu'il trouvait que ça portait tort à Marivaux. Et moi je crois que non, que Marivaux doit bien se réjouir de cette version parce que ces pièces, tu sais, ont été créées par des comédiens italiens, c'est-à-dire des comédiens comme nous qui parlaient avec un fort accent. Et il aimait ça parce qu'il disait qu'il parlait les textes plus lentement, ce qui donnait aussi un chant, un son au français différent, et qui ça les dépoudrait, ça les décoiffait. Et puis Arlequin, de toute façon, avait un masque poilu qui rappelle les singes. Et de toute façon, dans les pièces de Marivaux, qu'aujourd'hui on considère des pièces très formelles, très structurées, très belles d'un point de vue psychologique, quand même Arlequin faisait des pirouettes. Alors, si tu veux, je crois que ces singes apportent l'animalité et la force nécessaire à ces textes que parfois se sont un peu endormis. Un peu ça. Précieux, un peu rond. Oui, après le saupoudré, mais c'était des textes qu'il demandait aux comédiens. Il disait, jouez-les naturellement, jouez-les. Comme si vous ne lui donnez, ça donnait de l'importance avec une force naturelle. Je crois que ces animaux, par une sorte de magie, ils donnent cette force au texte. Et ça réjouit à beaucoup de spectateurs. Il y a ceux qui trouvent ça peut-être... mais c'est bien. Que moi c'est... j'ai vu la pièce au théâtre Édouard VII, oui. J'ai trouvé ça formidable. Oui, aujourd'hui on vient les jouer. C'est la générale aujourd'hui? Oui, oui, ça s'est passé formidablement bien. Et puis tu sais que c'était la pièce avec laquelle moi j'ai fait mon retour en Argentine depuis 20 ans d'absence. Alors voilà, moi à cause de toi, ou grâce à toi plutôt, j'ai eu envie d'aller en Argentine. Alors raconte-moi le voyage, comment ça s'est passé, parce qu'il y a 20 ans que tu étais parti oui. de Buenos Aires. C'est-à-dire que pour moi c'était assez particulier, puisque en même temps on a fait un film avec télé. Libération. Alors, à la fois, c'était réalité et fiction mélangée. C'est une fiction qui m'a permis en même temps de découvrir toute une partie de mon pays que peut-être je n'aurais pas osé de toucher sans cette caméra derrière moi. Alors, il y a eu des choses drôles, des choses moins drôles, des choses fortes. Mais évidemment, pour moi, j'ai passé déjà les mêmes temps de vie ici que là-bas. L'Argentine vit un peu aujourd'hui avec son passé derrière elle, avec sa grande époque derrière elle. Alors, avant de regarder le sujet extrait du film que tu as fait avec Jean-Pierre Thibaudat et Télé Libération pour la 7, oui. Je voudrais justement te poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le sentiment qu'avec l'arrivée d'un pouvoir politique, disons, équilibré avec Alfonsine, et le changement de capital, est-ce que tu ne crois pas que l'Argentine est en train de partir finalement dans une nouvelle direction? Est-ce que le changement, le fait que Viedma, Carmen de Patagonia devienne une nouvelle capitale pour l'Argentine, que l'Argentine se décide à conquérir le sud, est-ce que ce n'est pas finalement un nouveau départ? Ou est-ce que toi ça te rend triste finalement? Non, non, c'était que le problème maintenant c'est que bon, le gouvernement d'Alfonsine vient d'être touché, il y a eu des élections législatives comme tu le sais. Et le péronisme a repris une partie du pouvoir, ce qui me semblait logique puisque c'est une force très importante du pays. Mais il faudrait, comme peut-être ici aussi, que ces deux forces se mettent ensemble et travaillent pour le pays. Un problème fondamental, c'est que c'est un pays qui était longtemps ruiné, c'est un pays qui a souffert une très grande misère dans les dernières années. Et je crois que ce qui est important... Il peut repartir le pays? Je ne sais pas si tout de suite, mais comme j'ai, tous les j'ai l'espoir. Temps, tu... j'ai voilà. l'espoir. Alors on va regarder le sujet de Ernesto Sabato, si, le grand écrivain. Le grand écrivain qui va nous parler du tango. Merci Alfred. Au revoir, à bientôt. Merci.